moi, je trouve ce champagne très bon. Il avait des arômes très grillés, très forte autolyse de levure, beaucoup de longueur. Voilà, c'est un champagne de goût anglais, comme on dit, parce qu'il y a le côté beurré, grillé, mais avec beaucoup de style et de finesse. Ouais. Alors moi, c'est précisément ce côté beurré grillé qui m'a gêné, mais je suis prêt à me faire convaincre, mais je voudrais écouter mon ami Puzeau. Non, moi j'ai aimé effectivement le petit côté grillé, il y a une petite pointe de réduction, mais qui s'aère très facilement et qui donne justement beaucoup de noblesse au vin, donc j'aime bien. Donc voilà, moi j'aime bien. Il y a de la longueur, il y a de la finesse, il y a de la classe, et il y a surtout un style de maison très, très fort, très puissant. D'accord, alors vous savez, je vais finir par être convaincu. Parce que je l'avais trouvé un peu court, mais en fait, il a de la longueur. J'ai besoin de me remettre en forme. Voilà. Bon. C'est ça. Je ne recommencerai plus. Voilà. Merci. Allez, Michel, on regarde ce que c'est. Ah oui, avec plaisir. Henriot Brut Souverain. Voilà. Un très bon champagne que Michel a apprécié longuement.